Belles amis, bonjour et bonsoir. Tout dépend de l'heure que vous pouvez regarder la vidéo. Moi, j'espère que vous bien, famille ou bien. C'est ça qui est plus important. C'est toujours mes amis, Fredo, service réfrigération. Moi, je vous merci à vous-même qui êtes déjà abonné à la chaîne. Merci. Et merci encore à chaque pour vous abonner, qui a regardé la vidéo. Moi, je vous merci. Et merci encore une fois pour quelques minutes ou pour le point pour capable garder vidéo. Jodi a nous a présenté deux instruments très utiles et très obligatoires dans le monde de réfrigération. Ça veut dire ou pas qu'à travailler dans réfrigération sans que vous pas utiliser deux instruments ça. C'est vrai l'autre yo utile mais ça est extrêmement utile. Ça c'est un pince en périmètre. Ça c'est un manifold. Peut-être que vous cap connaît le sous nom gauge ou bien manifold ou bien manomètre. Ça aussi câble alimentation pour capable faire une lecture dans condenseur ou bien dans une pièce comme des cadio de réfrigération. À nous capable yon idée comment que capable utiliser comment capable faire une lecture correcte dans un manifold ou bien dans un manomètre ou gauge gens qui sont capables de comprendre comment qui sont capables de faire une lecture la donne à travers les qui sont capables de charger un système de réfrigération par exemple. Manifold là les utiliser pour mesurer atmosphère ou fluide dans un système réfrigération. OK, comment que vous utilisez manomètre là? Manomètre là gagne scale de 0 de 0 à 220. Jean que capable caméra qui ont Jean Rochi c'est ça que fait ouais li tant coup c'est décalibré li décalibré mais non il pas décalibré l'el décalibré ça veut dire li marcher de 0 à 1 ou 2 PCI par exemple c'est là ça li décalibré et comment ca calibrer à travers un petit bouton vous mettez là comme si capable de bouton et puis vous va rentrer on tourne vis plate là-dedans et puis vous va tourner dans sens pour aiguille là sorti de 0 à 30 pieds de mercure par exemple pour le vinchita sous 0. OK, comment que vous capable utiliser manomètre là section ça c'est section bleuant, c'est comme ça le toujours c'est section bas pression hein? Et section ça c'est section haute pression hein? C'est-à-dire c'est là que vous capable mesurer capacité au moteur compresseur dans partie bas pression hein, que vous pas ka mesurer parce que scale qui gagne dans bas pression hein, c'est pas lui même qui la gens que vous capable observer et arrive à 500 PCI ça met les même partie bas pression il était dans 220 PCI. Comment on capable charger exactement un système réfrigération ou bien connait quantité fluide ou bien réfrigérant qui gagne en dans un système réfrigération et même si c'est pas en dans un système réfrigération mais dans un qui fermé par exemple
yon ballon ou bien yon chanm a bisiklèt ou bien yon côté que ou cap mete pression nan tank, ça capable fè ou konnen combien liv de pression ki genyen. Et comme ça que au capable mesurer atmosphère qui en dans un système ou bien dans ce qui fermé. Comment on capable mesurer de 0 à 30 gens que au capable de 0 à 30 pieds de mercure, ça veut dire les mesurer atmosphère qui en dans ce qui a. L'air que au capable retirer l'air ou bien atmosphère qui en dans système là à travers un pompe vacuum ou après et qui là marché de pas derrière, ça veut dire les sorti de 0 la point moins que 15 moins que 10 moins que 5 et jusqu'à ce qu'il arrive dans 30 pieds de mercure. Et depuis arrivé là, ça veut dire en dans système là bas est vide, il pas gain atmosphère dans. Et qu'on a pour capable mesurer des pressions de 0 à 221 par exemple, aiguille a commencé marcher et chaque petit bas ça yo Jean qui est capable boire si bas qui pipiti yo c'est yo compté par 1 yo compté par 1 chaque petit bas c'est un PCI ou bien un livre de pression et l'arrivé sous 1 ça pas veut dire c'est un livre qui lié par exemple scale qui derrière c'est pas lui qui compte. Par exemple ou après 15 ou après 14 13 12 10, 11 c'est pas eux même, c'est ça qui en dedans qui compte. Ça veut dire de 0 à bas ça que ouais par exemple ça plus long là c'est lui qui 5 PCI, c'est bas 5 là ça. Ça veut dire de 0 à bas ça lui 5 PCI. Et l'arrivé sous 20, ça pas veut dire c'est 20 PCI, mais c'est 10 PCI. Parce que dans l'espace 5 ça pour arriver dans 20, c'est 5 petits bas que vous comptez. Vous comprenez? C'est 5 petits bas que vous comptez. De 0 à 20, c'est 10 PCI. C'est 10 qu'il y a. Parce que dans 0 à 1, il y a 5. Et de 1 à 20, il y a 10 PCI. Ça veut dire les wap charger système là ou bien wap contrôler qui quantité fluide ou bien qui quantité réfrigérant qui en dans système là, c'est comme ça que capable compter dans partie bas pression. Il est très facile pour utiliser. Partie haute pression les wap contrôler capacité en moteur compresseur de réfrigération par exemple non éladin là ou bien non freeze ou bien non frigideur ou capable contrôler et pour le marché de 5 à 15 secondes faut capable gain arriver à 500 livres là. S'il pas gain arriver à 500 livres là qu'on est moteur compresseur a pas comprimé l'air bien ou bien le pas comprimé système là pour al gagner yon ti manque de puissance pour le capable faire en congélation normale. Partie section bas pression a li très simple, li très facile pour utiliser. Gain ça c'est entrée manomètre là ou bien gauche, c'est entrée à ça, c'est la donne réfrigérant si on charge un système par exemple de l'air ou bien atmosphère gens que capable comprendre dans partie haute pression, c'est là que on pas l'entrée et puis on ouvrir là dans partie haute pression ou tunnel et puis réfrigérant ou bien atmosphère pour le faire parcours ça li contrôler là et puis à travers un tant que son sensor qui en dedans partie haute pression tout de gain qui permet équilibration l'air ou bien réfrigérant fait et puis le font pression sur aiguille là qui contrôler quantité qu'a passé à un contrôle tout dépend des façons que ouvre ça. Si toutefois
par exemple ouvert vite ouvert rapide comme ça et qui l'a pas font gros pression monter comme ça le femelle l'a descend dans mesure côté qui est en dans système là gagne quantité atmosphère ou réfrigérant ou bien fluide ou liquide qu'elle gagne c'est même gens pour partir bas pression là on charge un système par exemple de réfrigérant cap jaune a venir là cap bleu a connecté là cap rouge là a connecté là pour capable démontrer que okay, rouge nan bo ça bleu nan bo ça et puis jaune nan ap nan mitan ça veut dire c'est là que réfrigérant ou bien fluide là que on peut le mettre dans système là pour le passer OK nous fini avec manomètre ou bien gauge là c'est comme ça que on capable utiliser les outils ça sans les mêmes ou pas ca mettre réfrigérant dans un système de réfrigération connaît que gain réfrigération commerciale réfrigération domestique et réfrigération automobile même les manomètre yo pa vini même gens gain manomètre digital gain manomètre analogue ou bien manuel ça c'est un manomètre ou bien gauge manuel qui gagne yon scale de 220 PSI. PSI a signifie que c'est yon livre de pression. Livre de pression. OK, nous fini avec explication que nous te ka abaou sou manomètre là. Chan ki m capable zo ou capable ou ka ouvrir réfrigérant passer au fluide la passer et puis dans mesure ou quel besoin pour les capabilités ou bien pour connaître système dans quantité fluide ou de réfrigérant la bien et puis ou tout ou fermer et puis la prêter dans mesure si système demandé par exemple dans étiquette de fabrication frigidaire ou bien freezer ou bien air conditionné li marqué nombre de grammes ou bien nombre de PCI parfois yo pas marqué nombre de PCI à quel besoin yo juste dessiné en grammes par exemple m'a montre photo ça à partir de ça ou ka gen contrôle si toutefois ou pas ta gen un bascule là par exemple ou bien yon pèse pour capable peser réfrigérant que ou a mettre dans système là à travers ampérage par exemple ou capable mettre na moteur compresseur même si ou pas ta gagne pèse pour peser nombre de réfrigérant demandé dans étiquette réfrigération qui sous appareil là à travers pince en périmètre là capable aider ou à connaître qui quantité réfrigérant que ou doit mettre m'a montré ou étiquette là à partir de ça ou ka contrôler comment ou ka mettre OK mais il y a une étiquette de fabrication ça c'est diagramme électrique là diagramme électrique là Jean qui au capable par exemple ou après là c'est ligne pour capable ouais puis bien là c'est ligne là c'est net là c'est ground gagné li dessiné en fil blanc li aller dans interrupteur l'interrupteur c'est ça lampe qui en dans frigidaire ou bien freezer là partie li continuer à prolonger à thermostat ou à thermostat qui s'allie c'est switch qui en dans réfrigérateur ou bien réfrigérateur ou bien freezer là li dessiné en couleur noire yo du nègre c'est fil ça il noir qui passe dans thermostat li vini l'aller dans moteur compresseur ça c'est moteur compresseur qui gagne ça c'est ground fil d'été j'en capable comprendre
Là, c'est moteur protecteur thermique qui est en bas avec relais. OK? Mais c'est dans façon ça que vous pourrez regarder comment que vous pourrez charger le réfrigérateur. Là, c'est voltage 115 volts de courant alternateur continu. Fréquence là, c'est 60 Hz. De yon puissance de entrée qui est égal à 120 watts. Réfrigérant qui travaille avec R600A et puis yon tout dit combien réfrigérant que vous devez mettre en dans système là. Par exemple, que ouais 1.48 once. Capacité de net là, il vient sortir dans 205 litres non sens. Yo mette Elsa. Type de climat ST. Et puis on va regarder là encore choc électrique 1 et puis personnel de combien il pesait et puis sur de l'auto qui ça est fabriqué en 2019. Il est fabriqué en 2019, il gagne 46 kg, il pesait. Là c'est nombre de réfrigérant avec qui type de réfrigérant et combien watts qu'il consomme. OK. Comment qu'il est capable de mettre dans compresseur le mettre pince en périmètre là pour qu'il faut connaître est-ce que sous pas gain nombre de sous pas gain balance pour contrôler 1.48 on se sent comme on capable faire. OK. Ça c'est 115 volts courant alternateur continu et 120 watts là. Fréquence ça ou va regarder là. C'est lui qui est capable de contrôler 1.2 ampères. Il marche avec 1.2 ampères. Ça veut dire le on mette pince en périmètre là pendant on charger système là de pour pas gain bascule là ou bien pèse pour peser pour mettre 1.48 once là l'elle rive sous 1.2 ou pas besoin charger là encore par exemple mais comment que vous mettre là. OK, comment que vous capable garder les ou pas gain bascule là ou bien pèse là pour capable garder ou bien pour charger système là exactement à quantité réfrigérant que le mandé a ou pour accentuer sous pince en périmètre là avec étiquette qui sous appareil là en cas où étiquette là pas ta vala et si ou est gaz par exemple qui système dans travail avec là ou capable très comprendre système réfrigérant yo gaz réfrigérant yo pas travail sous même température gaz R600 ça ou sous garder sous moto là il travaille de 0 à 30 pieds de mercure mais gaz R134 il travaille de 0 à 10 ou 12 PSI ou livre de pression li pa gen droit passer depuis le passé lui risquer surcharger système là l'a fonctionner mais li poil retourner en liquide dans compresseur et compresseur liquide pas doit retourner en dans compresseur li comprimé gaz réfrigérant mais depuis c'est liquide li pas comprimé liquide comment pour le faire pour qu'on ait wap juste pour un pince là dans appareil là a gagné un protecteur de thermico comme ça c'est la donne pour mettre dans fil qui aller dans relais ça pour qu'à comprendre bien dans fil qui aller dans relais ça c'est la donne pour passer pince en périmètre là par exemple dans sens comme ça depuis au passer le comme ça appareil là fonctionner il supposé marquer lecture
la l'ela abstat moteur compressé a gère étiquette là-dedans qui dit l'el parti l'a marqué en p yon ampère ampère ça ou a divisé le par 5 la bas ampérage de travail bobine ça veut dire s'il marqué par exemple ou étiquette la marqué ampérage la 21 la parti en 2.1 ampère et 21 ampère l'a monté dans ça l'a monté l'a écrit là 21 pas prêté pendant le fait marcher pas l'a monté et puis l'a descend l'elle descend dans ça le retard l'a divisé 21 par 5 et puis l'a marqué le système dans chargé c'est là ça l'a descend comprendre l'a descend l'a descend dans 2.0 en quelques chiffre ou bien 2.1 2.2 depuis elle arriver dans 2.2 ou t'a charger système là ou mettre tout camper parce que il déjà marcher sur ampérage là et comment on capable faire pour elle à marcher par exemple on va le connecter moteur compresseur ça pour capable bon retirer partie ça yo parce qu'il faut sortir ça c'est partie